Une villa toute neuve et entièrement équipée, et c'est le cadeau de fin d'année du président de la République au chef du canton Boklé. Il y a 5 mois, le ministre Philippe Légret, président du conseil régional du Boklé, obtenait du président Alassane Ouattara 30 millions pour l'achèvement de la résidence du patriarche Wanda Dubo. Diomandé Ablaye Karim, député de Kong, représentant le ministre des Affaires présidentielles, Tenebi Raïma Ouattara, a réceptionné la villa. Pendant la campagne du président de la République, il avait dit qu'il donnerait le pouvoir à nos autorités coutumières. Il faudrait que nos chefs puissent trancher conformément à nos pratiques, conformément à notre tradition. Et pour cela, il faudrait bien qu'ils aient une certaine autonomie. Sensible à l'honneur fait à la chefferie traditionnelle, les élus de la région ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Nous avons demandé du goudron pour Sassandra. Nous avons demandé du goudron pour Fresco. Nous avons demandé qu'on nous gratte toutes les routes, qu'on nous donne les écoles. La confiance que vous avez placée en nous, je voudrais que cette confiance continue pour soutenir le président de la République. Les enfants du Boklé ont aussi été comblés en cette fin d'année. Madame Patricia Légret a, au nom de la première dame, Madame Dominique Ouattara, distribué plus de 800 jouets aux enfants démunis de la région.